Céline Frépon est née à Bruxelles en 1974 et commence à s'intéresser à la bande dessinée au contact du dessinateur Pierre Bailly qu'elle rencontre à Liège en 1996. Ils créent ensemble la série Petit Poilu, lancée par les éditions Dupuis en 2007 au sein de la collection Puceron pour les enfants à partir de 3 ans. Pour initier les non-lecteurs à la bande dessinée, les auteurs ont choisi de raconter exclusivement en images, sans le recours de la parole. Petit Poilu, avec son gros nez rouge, son air farfelu, est foncièrement gentil et tend la main à tous ceux qui croisent sa route. Nous allons nous intéresser au tome 2, La Maison Brouillard. Regardons de plus près cet album de 32 pages. Composé de 6 cases régulières, isolées par de larges interstices blancs, cette planche présente une gamme de couleurs gaies, rappelant les décors de chambres d'enfants. Les formes sont rondes et moelleuses, que ce soit celle de la couette, du gros réveil matin ou du soleil dont les rayons réveillent Petit Poilu. Celui-ci se lève de bonne humeur, fait sa toilette tout seul. On constate en le voyant nu que Petit Poilu n'est poilu que sur la tête, le reste de son corps étant parfaitement lisse et glabre. Nous constatons aussi que même si Petit Poilu est un garçon stylisé, il n'en est pas moins sexué. Notre héros engloutit ensuite un solide petit déjeuner dans lequel il puisera les forces pour affronter les épreuves qui l'attendent. Ces 4 premières cases donnent les clés d'une vie saine. Un bon sommeil, une bonne hygiène corporelle, une bonne alimentation. Mais sans doute l'amour d'une mère est-il encore plus important que tout cela. Sous la forme d'un pictogramme rouge, un cœur vient matérialiser cet attachement. Le père n'est présent à cet instant que par le biais d'une photo représentant la cellule familiale. Juste au-dessous, un téléphone semble posé là pour suggérer qu'en cas de besoin, les adultes protecteurs pourront toujours être joints. La journée de Petit Poilu commence sous les meilleurs auspices. Comme chaque matin, il prend le chemin de l'école, sac au dos, et ne manque jamais de s'égarer. Très souvent, c'est un phénomène météorologique qui le fait passer dans un autre univers. Il se retrouve alors dans un royaume médiéval, une Russie d'opérette, sur une île au trésor, ou ici, devant une maison hantée. Petit Poilu, c'est un peu comme si on revisitait le catalogue de Playmobil, dit plaisamment Pierre Bailly. La série parcourt ainsi le catalogue complet des peurs de l'enfance, mais Petit Poilu est débrouillard et vaillant, même s'il cherche le plus souvent à résoudre les conflits de manière pacifique. Et lorsque le découragement, la peur ou l'émotion menacent de le submerger, Petit Poilu se console en sortant une photo qui témoigne de l'amour et de la tendresse de sa maman. Petit Poilu arrive toujours à s'en sortir, permettant parfois aux méchants de révéler une facette plus inattendue, plus humaine de leur personnalité. La journée de Petit Poilu semble appartenir à un rythme immuable, avec une planche initiale et une planche terminale presque identiques. La première planche montre le lever de Petit Poilu et son départ pour l'école, la dernière, son retour à la maison, le dîner en famille et le coucher. L'aventure n'est qu'une parenthèse à l'intérieur d'une vie domestique routinière et rassurante, mais aussi une leçon de vie dont il ressort grandi et dont il ramène un objet, preuve tangible qu'il n'a pas rêvé. Thank you.